Et salut les loulous, ici Gamino pour Ivasam Studio pour ce troisième épisode de la race sur Pokémon Crystal. Au dernier épisode, non toi je te fais pas, au dernier épisode on avait battu Albert, on avait traversé la route 33, donc la route 32 je suppose. Les cages, on arrive à Ecorcia, où on va devoir pour l'instant déloger la Team Rocket. Est-ce que je vais me soigner? Non, pas la peine. Faut un tap, on va aller voir ce cher Fargas. Ouais, blablabla, je connais la Team Rocket et je vais t'en toucher deux mots. Hein. Donc, les roquettes ont investi le puits Ramolos pour couper des purs Ramolos pour les revendre et faire fortune. Parce que comme le dit le Pokédex, une... Je sais pas si j'ai le droit de le dire en vidéo, la ligne du Pokédex, parce que c'est très... Ouais. Disons que les cœurs Ramolos sont bonnes à mâchouiller. Voilà. Ah, je montais à la gare quand un vieux dingue est venu me crier dessus. M'afficher une de telle trouille que je suis tombé ici. C'est quoi, je vais calmer les nerfs sur ta face. Beaucoup de vulgarité, hein. Bon, normalement, ce passage, il est easy. Il est vraiment très simple, normalement. On va sans doute avoir, d'ailleurs, la évolution de Germignon. Quoique des niveaux 9... Donc, il critique aucune chance de survie. Ouais, si, il va sans doute évoluer dans la... cave. Dans le puits, pardon, c'est un puits, ce n'est pas une cave. Top et Tiratata, arrête de remuer tes fesses. C'est pas très Charlie, ni légal, ni halal, ni voilà. Et coup critique. Et deux coups critiques à la suite. Germignon est en forme. Sburoquet a perdu. Ah, c'est pas mon jour. Eh non. Arrêtez de voler les queues. C'est ça, ouais, t'as raison. C'est pas bien de voler les queues. Alors maintenant, tu vas arrêter, tu vas partir. Je te préviens. Regarde mes couettes bleues. Tu vas voir, faut partir. Allons se faire un petit. On va tenter, hein. Je suis niveau 15. On va voir combien je l'enlève. Enfin, il m'enlève avec Vampirisme, mais combien il récupère surtout. Ouais, voilà. Alors, je pense qu'en trishot, ça peut passer. Au pire, j'aurais perdu un peu de temps. Après oui, j'aurais mieux fait de changer pour un caillou et de faire un bon jet de pierre, vu que maintenant il a jet de pierre. N'est-ce pas? Et c'est du trichot. Hop, c'est bon. Utiliser Abo. Là, par contre, ouais, non, je vais rester aussi, allez. On veut l'évolution de Germignon, là. Juste faire un protection. Parce que voilà, les attaques poison sont... Il me semblait qu'elles étaient physiques. Bah... Alors, soit elles sont pas physiques, soit elles font très mal. Voilà, c'est quand même mieux. On va faire un bon petit jet de pierre. Et évidemment, le poison. Bah ouais. Bah oui, évidemment. Et ah, est-ce qu'on va le push-shot? Je ne sais pas. Je sais pas si j'ai des antidotes aussi. Ah, c'est bon. J'ai rien monté au niveau 16, donc il va évoluer. Oui. L'évolution du starter, ouais, je suis un sale môme, tais-toi. Et voilà. Trop stylé. Moi voilà, on a Macronium, hein, c'est fini. Super potion. Ça, j'ai des antidotes. Ouais non, on va pas avoir besoin, je pense. Hein.
Là, il y a encore un sbire, et après il y a le... Pas quoi que... En plus, ça c'est un sbire apparemment. Dans Soul Silver, c'est un commandant. Excusez-moi pour les petits bruits là. Je me positionne correctement afin d'offrir à mon dos une bonne base solide et blablabla. Ah, Macronium, il est tellement stylé. J'adore ce poké. Encore une fois, des combats passionnants, hein. Voilà, on OS. On en charge. Non, on va laisser. Bon, je perds un peu de temps, j'avoue, à rester avec Macronium. Que je suis sûr que Rakayu il aurait pu le battre facile. Enfin en un coup quoi. Et là on va pas le two shot. Ah la tristesse. La tristesse d'un homme. Bon après hop c'est bon. Là au-dessus. Et on va se soigner avec une potion. Précision, parce que je me souviens. Enfin, je me souviens quasiment de rien dans Crystal. Hein. Je connais à peu près dans Soul Silver, mais. Je saurais pas dire quel Pokémon m'attendent avec le dresseur juste là. Hop. Aramalos sans queue. Ah, il y a une lettre, on l'a dit. Ah, il y a une lettre. Sois sage et occupe-toi bien de la maison avec Pépé et Aramalos. Bisous, papa. Ah, c'est. C'est peut-être le Ramolos de Fargas. Fargas est vieux, donc ouais, ça se trouve, la petite fille qui est dans sa maison, c'était sa petite fille. Donc ce Ramolos, il est chez eux. D'accord, Smogo niveau 14, je crois que j'ai bien fait. Ah, elle est longue l'animation. Non, une poison quoi. Voir ce que je lui enlève avec charge. Oh, rien du tout. L'animation est longue. Oh non. Vite. C'est bon, il rate. Bon, même si Macronium il tombe KO, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Pourtant, c'est qu'il fasse des dégâts. Parce que Rakayu il est que niveau 12. Et je suis pas sûr qu'il fasse masse dégâts de plus hein, par rapport à Macronium. Donc faut affaiblir Smogo le plus possible. Après, j'aurais pu utiliser une super potion. C'est vrai, j'aurais pu. Mais on peut sacrifier Macronium. Donc on va le faire. Voyez Rakayu à la place. Ah donc voilà, il fait purée de poids sur Rakayu, mais il rate son attaque en ce cas-là. Donc. J'aurais dû faire jet de pierre, je suis bête. Bord d'un petit charge. Oui, il fait à peu près les mêmes dégâts que Macronium. Hein. Il re-rate sa purée de poids. Ouais, je vais continuer les charges. Là, normalement, encore deux, ça suffit. Et là, normalement, je pense avec l'XP, Rakayu devrait monter de niveau. Hein, parce que bon, niveau 12. Normalement, Rakayu va monter de niveau. Et Rakayu monte au niveau 17. C'est pas mal. Ouais, niveau 12 au niveau 17, c'est pas mal. La Team Rocket a été dissoute il y a 3 ans. On a continué nos petites affaires dans l'ombre. Et à partir d'aujourd'hui, on va tout faire sauter. Ah ouais, non. Bravo, Gab. La Team Rocket a décampé. Non, on va mieux aller, on se casse. Une vulgarité assez drôle hein, quand même dans ce. J'apprécie dans style. J'aimerais que tu acceptes mes balls.
une appa ball. Merci monsieur. Là par contre on va les soigner parce qu'on a pas trop le choix. Quoique il nous a déjà soigné je crois, parce que sinon on aurait le... si je batte. Je crois qu'on était déjà soigné. Pokémon est en super forme, encore merci et à bientôt. Et donc là, encore une fois, ça va être une arène pour Akainu entièrement. Mais d'abord, on va aller acheter quelques trucs. Acheter sauvage un petit peu tout du charbon d'œil, bien sûr. Alors on va racheter quelques potions. Hop, 3 super. Antidote parce que c'est bien. Et le reste en Pokéball. J'ai dit en Pokéball. Voilà, il me reste 2 Pokédollars. Il me reste à peu près 2 centimes d'euros. Ça a l'air cool, non? Alors. Ah, c'est vrai qu'il y a. C'est un combat duo. Non, il n'y a pas de combat duo en deux jeux. Ouais, non, c'est un faux combat duo en fait. Voilà. Au niveau 10, ça devrait aller. Je rappelle que. Bon, je suis très lent, hein, je le rappelle bien sûr. Mais surtout, j'ai l'avantage du type. Alors, est-ce que ça va suffire à faire de l'OHKO? Oui, coup critique. On gagne masse XP, ça va être bien. Donc si c'est gratuit, il prend x4 sur la roche. J'ai l'ultrason qui passe pas. Merci pour Akainu et merci pour mes oreilles, c'est gentil. Et voilà, ça je l'avais dit que c'était cadeau. 115 points, on passe niveau 13. Ça c'est marrant, j'ai l'impression qu'il était niveau 17 tout à l'heure. On a battu Pim et Pam. Bonjour. T'as sauvé tout l'arme là, c'est super balèze toi. Mes Pokémon adultes sont aussi un peu balèzes, je crois. C'est un scout, c'est ça? Oui. C'est très adulte, hein, ouais. J'avoue, un paras. C'est surtout mort, en fait. Je suis pas sûr que ton paras y grandisse, en fait. En fait. Faut que j'arrête de dire en fait. Mais en fait, bah ouais. Ah, la passeport qui ne passe pas, ça fait du bien. Hop, 195 points de XP. Alors, pour l'XP, on va sur tous les dresseurs. Il y a encore des dresseurs de l'autre côté, je crois. Enfin, je crois qu'il en reste encore un autre. On sera Hector après. Alors toi t'as Aspico, Confort et Dardarnion, c'est ça? Et il y a un autre dresseur qui a Chenipan, Crisacier et Papillusion. Ou alors c'est peut-être dans Sol Silver et j'ai oublié. Bon là normalement, ouais voilà. Quand même c'est Aspico niveau 7. Coconfort. Qui n'a que armure. Comme d'habitude. Putain, le pauvre Conconfort, quoi. Bon, en même temps, on va pas donner... On va pas donner genre Dracorage à un cocon comme ça, quoi. Faut pas abuser non plus. N'est-ce pas? Déjà, ça aurait aucun sens. Et Dardarnion. Alors là, je vous dis pas XP. Je parie sur 300 points d'XP. Aïe, j'ai mal. Oh là là. Oh là là. Je meurs de faim, je pourrais dévorer un Dardarnion. Et 4 pouf. XP facile, XP pas cher. Et non, ce n'est pas suffisant, j'ai mis
Ouais, là, il y a encore un dresseur ici. T'as des insectes qui sont trop cool et trop résistants. Je veux trop te le prouver. T'inquiète, t'as déjà 3 dresseurs qui ont essayé de me le prouver. Enfin, 3,5. On va en comptant le combat duo. Un combat, le comptant duo, bien sûr. Oups. Ah, ça, par contre, c'est pas voulu. Voilà. C'est déjà mieux. Après, ça va, c'est pas avec les dégâts qu'il me fait. Hein. Alors, par contre, champion d'arène, ça risque d'être vraiment un régal pour Rockaillou. Déjà, Aspico, d'accord. Donc, y'a pas un dresseur qui a Chenipan, Crisacier, Papillusion. C'est triste! Et voilà! Et encore 130 points d'XP, Jean-Loïc, Scout a perdu. T'as prouvé à quel point t'es balèze, toi. Ben oui. Easy peasy. Et c'est parti pour Hector. Je suis Hector, je perds jamais lorsqu'il s'agit de Pokémon Insecte. Cette phrase était bizarrement coupée en deux. Mes recherches vont me permettre d'être un super expert des Pokémon Insectes. Laisse-moi te montrer ce que j'ai découvert. Niveau 14, hein, on sent déjà que le mec il pèse un peu plus que les autres. Lui, contrairement aux autres cocons, il a les attaques normales, donc il a charge et armure et sécrétion en plus d'armure. Ça, par contre, c'est dommage. Voilà, bon, il rate sa charge. On se moque pas des handicapés, ce n'est pas bien. Et 200 points d'XP niveau 16, et il va rattraper Macronia. Hein. Il apprend pleur. Ah, ça, c'est pire. Hein. Là, il sort déjà son dernier Pokémon. Alors ça, normalement, ça, c'est vraiment du bon miam miam. C'est simple, déjà, il va rien faire. Et il prend x4 sur G-Pierre. Donc là, normalement, c'est du OHKO, mais assuré, parce qu'il a pas des grosses défenses. Et je parie sur 600 points d'XP. Pouh ! Allez, hop, niveau 17, ça c'est fait. Emballé, c'est pesé. Alors, comment est-ce que tu le prends, Hector ? Je t'ai un peu humilié, là. Dire oui, tu m'as fait 3 PV de dégâts. Ah punaise, encore une fois. Ouais, bon, tu m'as enlevé 4 PV, bravo. Ça, c'était du combat d'arène de ouf. Et voilà. Ouah, dingue, tu connais bien les Pokémon. Mes recherches sont pas finies. Ok, t'as gagné, prends ce badge. 1600 Pokédollars. On a le badge Essaim. Connais-tu les pouvoirs du badge Essaim? Une fois que tu possèdes ce badge, les Pokémon jusqu'au niveau 30 et les échangés t'obéissent. Pokémon qui connaissent Coupe peuvent aussi l'utiliser hors des combats. Tiens, je veux que tu prennes ceci. Ça, si j'ai pas d'outils, c'est Taillade. C'était 49 contient Taillade. Si tu ne manques pas ton coup, la puissance augmente à chaque tour. Plus le combat est long, plus le coup est puissant. C'est pas super ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Bon, il a l'air sérieux à faire son scientifique avec ses recherches, etc. Bah écoutez, il est tout fier de... Ah. Bonjour Game, c'est Lise, tu vas bien? Écoute, il y a un salon Pokémon d'Oumonville qui est tenu par deux frères. Plus tu es bon, mais l'autre est une tâche. Bah ça dépend des fois. Chaque fois, j'ai du mal à me décider. Ok, à plus tard. Alors, je vais perdre quelques temps dans cette course. Voilà. Je suis un gros asocial, j'ai que le prof et ma mère dans mes contacts. Ça a l'air cool. Bon, Rockaillou au niveau 17, mais on va le garder pour ce qui nous attend, tout simplement. Pourquoi je cherche mes mots? C'est bon, on a un petit combat, là, hein.
bien entendu. Dis-moi quelque chose, petit bouchon. C'est vrai que la Team Rocket est de retour. Quoi, tu les as battus? Arrête de mentir. Non, t'aimes pas crâner, toi. Mais allez, baston. Voilà, c'est court, c'est concis. Triple point d'interrogation, on veut se battre. C'est un chouette prénom, n'empêche. Bref, voilà pourquoi je voulais rester avec Rakaillou encore une fois. Fantominus qui va se prendre une ampleur dans la face parce qu'il n'y a pas encore les capacités spéciales et putain, ça va me paralyser à tous les coups. Ça. Même pas, putain. Ampleur 7. Je sais pas si ça va suffire. Bah, la différence de level, ouais, quand même. Nosferatu petit. Ouais, là en fait, c'est full Rakaillou quoi. Hop, un jet de pierre, il y en a plus. Ultrason pirate, merci pour mes oreilles et pour les vôtres aussi. Yeah. On passe niveau 18, donc on a encore surpassé Macronium. Hop, ferisson. Oh, stylé. On va faire une ampleur cette fois. Oh, ça va. Et il me brûle pas, ça va. Mon ampleur 6, ouais, c'est un... Ouais, non. Oh, stop. Ah oui, oh. Ah oui, il a mal. En fait, ça va. En fait, je dis, ouais, ampleur 6, tout ça, ouais. En fait, ouais, d'accord. Je connais pas les puissances des ampleurs, hein. Je sais qu'ampleur 10, ça fait... Mais après, ampleur 6... C'est juste qu'ampleur 4 c'est bien naze. On gagne 960 Pokédollars, c'est pas mal. Je déteste les Minus. Pokémon dresseur, c'est du kiff-kiff. Devenir surpuissant, balayer les Minus. Et c'est pareil pour la Team Rocket. Ils sont redoutés parce qu'ils existent en groupe, mais à part, ils sont faibles. Je les déteste tous. Hors de ma vue, Minus, quelqu'un comme toi peut rien m'apporter. Eh ben, barre-toi. Coucou maman. Salut, Game, ça va bien? Je trouve un bel objet à acheter. Alors, je dépensais des sous. Désolé, c'est dans ton PC, ça va te plaire. On ira le chercher à Dobonville parce que j'ai la flemme. Hop. On met Macronium en tête. Ouais, non. Je pensais qu'il donnait quelque chose, mais en fait, non. Et le bois aux chênes. Des Pokémon sauvages. Peut-être un futur membre de notre équipe là-dedans. Qui sait? Niveau 5, ouais, j'ai pas envie. Oh, oh putain, ok. J'ai peut-être back pour aller prendre du repousse. Ce sera peut-être un bon investissement, ça. Est-ce que j'en ai pas dans le sac? Oh, j'en ai pas. Ouah, mon chef va être super furax. Car notre la coupe des nains charbon. Parce que j'ai peur. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime bien la qualité de mes doublages hein, quand même. C'est le Pokémon perdu. Quoi? Quoi? Pas mieux. Hein. Quoi? Ah putain. Je sais plus comment escalader cette énigme. Avec les Pokémon, ça va être trop lourd par contre. Aspico, non merci. Hop, on fuit. Quoi? Ah si, je crois que ça va. S'il y a que des chenipans d'Aspico, ça va pas le faire. Déjà, ça veut dire que je vais devoir apprendre coupe à Macronium. J'avoue que j'ai pas trop envie. Quoi? Quoi? Aïe, là t'es coincé toi. Quoi?
Il est bête, il s'est cogné. Salut. Ah, canard artichaut, tu nous l'as retrouvé. Sans lui, on peut pas couper les arbres pour faire du charbon, merci. Comment t'en remercier? Je sais, prends ça. Ah, je sais, mais en fait, j'ai pas envie de la prendre à... J'ai pas du tout envie de la prendre à Macronia, moi. Il me semble qu'il y a des paras là-dedans. Je lis dans la RNG. Obéissez-moi. Aïe, j'ai mal. Le sac, les Pokéballs, j'en ai 13, ça devra aller. Et il sort. J'ose pas l'attaquer, hein, parce que bon, la différence de level... Même avec trancheur, parce que même si c'est pas très efficace, mais... Là, si je fais un critique, je suis sûr que je peux le tuer quand même. Donc je préfère le poison, voilà, c'est plus doux. Même si ça... Ça implique une deadline au combat. De toute façon, je suis limité par mes balles. Hein. Bon, j'utilisais la Pabol, je pense qu'elle est faite pour les Pokémon insectes, hein, ça me paraît logique. Quoique non, je vais la garder. Oh non, je la garde. On va pas dépenser ça pour un paras quand même. Hein, et il ressort encore. Mon fils, tu vas rentrer toi. Hein. De toute façon, t'es en train de perdre la vie. Bon, on fait O plus bas, O plus spam B. Et normalement, ça transforme la Pokéball en Master Ball, regardez. Et voilà. Sauf que la Master Ball a une chance sur 256 de rater. C'est pour ça que je l'ai pas eu. À peu près. J'ai beau. Et j'ai oublié de regarder le timer après avoir eu le badge et merde. Fichtre. Sur mon paras, non. Bref, c'est sur ce qu'on va se quitter pour cet épisode. On est à 1h27, voilà. Bon, des épisodes à peu près une demi-heure hein, chacun, ça me paraît pas mal. Surtout, on avance relativement vite, je trouve. Donc, n'hésitez pas à aller voir les points de vue de Endo et Ores sur Pokémon Or et Argent. Moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3 de la Race Crystal en ma compagnie sur Ivasam Studio.